16 arrestations, 4 véhicules avec 16 kg cocaïne confisqués et puis zam saisi. C'est bilan opération agent police nationale d'Haïti réalisé pour mois août là. Moun la police arrêté yo gen accusation viol, vol à zam et puis trafic drogue qui pesait sous doyo d'après porte-parole institution policière Michel-Ange Louis Jeune. Pendant série opération sa yo, agent PNH yo rive écrasé yon réseau gang qui spécialisé dans voler machine, côté yo rive saisi matériel tant kou zam, machine ak yon quantité plaque machine. Yon extrait nan micro Esaïe Relus ak Wilson Idori. 9,5 kg marijuana et 16,7 kg de cocaïne. Yo saisi 3 armes à feu. Yo confisqué 4 véhicules dont 3 motocyclettes et 33 327 $ US et 232 455 gourdes. Et ils ont arrêté 16 personnes, dont 4 filles. Et dans le cadre d'opération, et sur mandat international, ils ont un monde qui a été arrêté et ils ont transféré aux États-Unis. Dans la nuit, 21 août, pendant une opération que la direction centrale police judiciaire a menée dans Vivi Michel, eh bien, ils ont arrivé à confisquer 2 véhicules. Dans le véhicule, ils ont joué une arme. Et gagné un policier Evnou Mesidor qui a arrêté dans 4 dossiers. Evnou Mesidor, c'est un policier 14e promotion, mais qui est révoqué dans la police là pour mauvaise affaire depuis en janvier 2018. Tout récemment, il est arrivé révoqué. Comment gang ça lui-même lui opéré? Et il y a plusieurs plaques véhicules. Alors, le policier lui-même n'est pas seul monde qui était dans l'action, il y a plusieurs autres monde avec elle que jusqu'à présent la police a cherché. Et comment gang ça a opéré? Il y a plusieurs plaques. Il a opéré dans la frontière haïtiano-dominicaine. Là, il a sorti en Dominicanie, ou bien il a rentré, il a utilisé une plaque diplomatique. Plaque diplomatique là parce que il connaît pertinemment. Donc, pas un policier qui a pris le rite pour fouiller pour poser aucune question. Il a utilisé une plaque diplomatique. Si après sorti en Dominicanie avec une machine qui a volé, il a venu à Haïti avec elle, il a utilisé une plaque diplomatique. Il a fait traverser la frontière, il a utilisé une plaque service de l'État. Il a utilisé une plaque service de l'État, il a mis des JOFA, sans façon que pour passer inaperçu. Et c'est gang ça que BLVV rivé commence à arrêter moun la donne et au fur et à mesure qu'a rivé démanteler. Ce dossier bandit qui a opéré dans Matissan, porte-parole PNH là, Michel-Ange Louis Jeune, annoncé recommandement institution policière a déjà pris mesure pour mettre la peine en zone là. Il rappelait depuis jeudi 30 août là, policiers qui cantonnaient dans sous-commissariat Matissan, t'es déjà fait intervention, mais il pas arrivé pour tes réponses. Commissaire Louis Jeune a ajouté une disposition qu'a prend pour renforcer effectifs qui concernaient dans l'intervention ça. Depuis hier, une situation de tension dans la zone Matissan. Côté des bandits, a tiré sur la police. D'accord? Mais dans ce moment-là, on m'a parlé là, il y a des dispositions qu'on prend pour gagner des travaux qui sont faits pour nous arriver à une amélioration de situation. Et pour nous joindre un dénouement à la crise. Et qu'actuellement, là, que le commandement de la police là, a fait instruction pour gagner des dispositions qu'on prend pour nous joindre en solution à la situation Matissan. Si a tiré sous policier, c'est parce qu'il y a un policier. Et c'est depuis hier. Si a tiré sous policier, c'est parce qu'il y a un policier qui a tiré sous policier. Qu'on a demandé, est-ce que le nombre de policiers qui Matissan est suffisant pour le répondre à la situation de Matissan? Actuellement, la moindre jour que le commandement de la police là, a pris des dispositions pour répondre à la situation qui est Matissan qu'on y a là. 16 arrestations, 4 véhicules avec 16 kg cocaïne confisqués et puis zam saisi. C'est bilan opération agent police nationale d'Haïti réalisé pour mois août là.
Moun la police arrêté yo gen accusation viol, vol exam et puis trafic drogue qui pesait sous doyo d'après porte-parole institution policière Michel-Ange Louis Jeune. Pendant série opération sa yo, agent PNH yo rive écrasé yon réseau gang qui spécialisé dans voler machine, côté yo rive saisi matériel tankou zam, machine ak yon quantité plaque machine. Yon extrait nan micro Esaïe Aurelius Wilson Idori. 9,5 kg marijuana et 16,7 kg de cocaïne. Yo saisi 3 armes à feu. Yo confisqué 4 véhicules dont 3 motocyclettes et $33,327 US et 232,455 gourdes. Et yo arrêté 16 moun dont 4 filles. Et dans le cadre d'opération, il y a un mandat international qui a été arrêté et transféré aux États-Unis. Dans la nuit, 21 août, pendant une opération que la direction centrale pour les judiciaires a menée dans Vivi Michel, eh bien, il est arrivé à confisquer 2 véhicules. Dans le véhicule, il y a eu des armes. Et il y a un policier Evnou Mesidor qui a arrêté dans 4 dossiers. Evnou Mesidor, c'est un policier 14e promotion, mais qui est révoqué dans la police là pour mauvaise affaire depuis en janvier 2018. Tout récemment, il est arrivé révoqué. Comment gang ça lui-même lui opéré? Et il y a plusieurs plaques véhicules. Alors, le policier lui-même n'est pas seul monde qui était dans l'action ça, il y a plusieurs autres monde avec elle que jusqu'à présent la police a cherché. Et comment gang ça a opéré? Il y a gagné plusieurs plaques. Il a opéré dans la frontière haïtiano-dominicaine. Là, il a sorti en Dominicanie, ou bien il a rentré, il a utilisé une plaque diplomatique. Plaque diplomatique là, parce que il connaît pertinemment, donc pas un policier qui a arrêté pour fouiller, pour poser aucune question. Il a utilisé plaque diplomatique. Si il a sorti en Dominicanie avec une machine, il a volé. Il a vint Haïti avec elle, il a utilisé plaque diplomatique. Il a fait traverser frontière, il a utilisé plaque service de l'État. Il a utilisé plaque service de l'État, il a mis des JOFA, sans façon que pour passer inaperçu. Et c'est gang ça que BLVV, Rivet, commencer à arrêter moun la donne et au fur et à mesure qu'a privé démanteler. Ce dossier bandit qu'a opéré dans Matissan, porte-parole PNH là, Michel-Ange Louis Jeune, annoncé recommandement institution policière a déjà pris mesure pour mettre la peine en zone là. Li rappelé depuis jeudi 30 août là, policier qui cantonné dans sous-commissariat Matissan, t'est déjà fait intervention mais li pas arrivé pour tes réponses. Commissaire Louis Jeune a ajouté gain disposition qu'a prend pour renforcer effectif qui concerné dans intervention ça. Depuis hier, une situation de tension dans la zone Matissan. Côté des bandits a tiré sur la police. D'accord? Mais dans ce moment là, on m'a parlé là, il y a des dispositions qu'a prend pour gagner des travail qui fait pour nous arriver à une amélioration situation et pour nous joindre un dénouement à crise ça et que actuellement là que la commandement la police là a bail instruction pour gagner des dispositions qui prend pour nous joindre en solution à situation Matissan. Si a tiré sous policier, c'est parce qu'il y a un policier. Et c'est depuis hier. Si a tiré sous policier, c'est parce qu'il y a un policier qui a tiré sous policier. Qu'on a demandé est-ce que nombre policier qui Matissan est suffisant pour le répondre à situation qui Matissan. Actuellement là moins de jour que commandement la police là a prend des dispositions pour répondre à situation qui gagne Matissan qu'on y a là. 16 arrestations, 4 véhicules avec 16 kg cocaïne confisqués et puis zam saisi. C'est bilan opération agent police nationale d'Haïti réalisé pour mois août là. Moun la police arrêté yo gen accusation viol, vol ak zam et puis trafic drogue qui pesait sous doyo d'après porte-parole institution policière Michel-Ange Louis Jeune.
Pendant série opération sa yo, agent PNH yo rive krasé yon réseau gang qui spécialisé nan vole machine, côté yo rive saisi matériel tankou zam, machine ak yon quantité plaque machine. Yon extrait nan micro Esaïe Aurelius ak Wilson Idori. 9,5 kg marijuana et 16,7 kg de cocaïne. Yo saisi 3 armes à feu. Yo confisqué 4 véhicules dont 3 motocyclettes et $33,327 US et $232,455. Et yo arrêté 16 moun dont 4 filles et dans cadre opération yo et sur mandat international te gen yon moun ke yo te arrêté et yo transféré aux États-Unis. Dans la nuit 21 août, pendant une opération que direction centrale police judiciaire a menée dans Vivi Michel, eh bien, il était arrivé confisquer 2 véhicules. Dans le véhicule, ça a été joué une arme. Et gagné un policier, Evnou Mesidor, qui a arrêté dans 4 dossiers. Evnou Mesidor, c'est un policier 14e promotion, mais qui est révoqué dans la police là pour mauvaise affaire depuis en janvier 2018. Tout récemment, il est arrivé révoqué. Comment gang ça lui-même lui opéré? Et il y a plusieurs plaques véhicules. Alors, le policier lui-même, il n'est pas seul monde qui était dans l'action ça, il y a plusieurs autres monde avec que jusqu'à présent la police a cherché. Et comment gang ça a opéré? Il y a plusieurs plaques. Il a opéré dans la frontière haïtiano-dominicaine. L'air a sorti en Dominicanie, ou bien il a rentré. Ils ont utilisé une plaque diplomatique. Plaque diplomatique là parce que ils connaissent pertinemment, donc pas un policier qui a parlé de yo pour fouiller yo pour poser aucune question. Ils ont utilisé plaque diplomatique. Si après sorti en Dominicanie avec une machine yo volé, il a vint à Haïti avec elle, ils ont utilisé plaque diplomatique. Les ont fait traverser frontière, ils ont utilisé plaque service de l'État. Ils ont utilisé plaque service de l'État, ils ont mis des JOFA, sans façon que pour passer inaperçu. Et c'est gang ça que BLVV, Rivé, commence à arrêter les gens là-dedans et au fur et à mesure qu'il a privé des mandrils. Ce dossier bandit, cap opéré dans Matissan, porte-parole PNH là, Michel-Ange Louis Jeune, annoncé recommandement institution policière a déjà pris mesure pour mettre la peine en zone là. Lui rappeler depuis jeudi 30 août là, policier qui cantonné dans sous-commissariat Matissan, t'est déjà fait intervention, mais il pas arrivé pour tes réponses. Commissaire Louis Jeune a ajouté une disposition qu'a prend pour renforcer effectif qui concerné dans l'intervention ça. Depuis hier, une situation de tension dans la zone Matissan. Côté des bandits a tiré sur la police. D'accord? Mais dans ce moment-là, on m'a parlé là, il y a des dispositions qu'a prend pour gagner des travaux qui fait pour nous arriver à une amélioration situation et pour nous joindre un dénouement à crise ça et que actuellement là que la commandement la police là a bail instruction pour gagner des dispositions qui prend pour nous joindre en solution à situation Matissan. Si a tiré sous policier, c'est parce qu'il y a un policier. Et c'est depuis hier. Si a tiré sous policier, c'est parce qu'il y a un policier qui a tiré sous policier. Qu'on a demandé est-ce que nombre policier qui Matissan est suffisant pour le répondre à situation qui Matissan. Actuellement là moins de jour que commandement la police là a prend des dispositions pour répondre à situation qui Matissan qu'on y a là.